Salut, salut, salut à vous. Connectez-vous, arrivez, partagez, invitez vos amis, dites-leur que nous sommes en direct. Nous allons nous parler. Après mon voyage hier, aujourd'hui je suis au travail. Voilà, je suis dans mon job-ci. Alors, je vous demanderai de partager, invitez vos amis, dites-leur que nous sommes là et que nous sommes en train de faire le compte-rendu de notre voyage à La Haye. Essayez de partager, mais moi j'essaie de partager aussi, mais bon. Je vous demande de faire pareil, afin que la vidéo puisse aller partout, 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 partout. Partout, partout, partout. Partout où ça peut aller. Merci à vous. Atteignons les 100 personnes en direct. Et puis nous allons commencer. Quels sont ceux qui sont là? Astou Konan, big up à toi. Sois salué. Bonne arrivée. Toi, Diolo. Toali Diolo, merci, merci. L'artiste Toali Diolo, voilà. Mon cacao n'est pas immigré. Mon or n'est pas immigré. Mon diamant n'est pas immigré. Je suis un homme comme lui. Il m'appelle immigré. Sois salué, Toali. Odi Kwasi, big up à toi. Big up, big up. Massa Diallo, big up à toi, bonne arrivée. Allez-y, il faut partager, voilà. Partager, on va atteindre les 100 personnes, comme ça je vais commencer à parler. Aujourd'hui c'est samedi, hein, il est 13h59. Nous partons à 14h. Donc on ne dit pas aux champs quand c'est comme ça. Donc, kaba kaba. Il faut faire monter le mercure. Bon, comme c'est un compte rendu, je suppose qu'il y a beaucoup qui ne savent pas. Mais c'est un compte rendu et donc on va aller avec ce compte rendu. On va aller avec ce compte rendu et puis nous allons voir ce qu'il faut ajouter. Donc sois salué, c'est qui? Attila Kunti Koko. Big up à toi, Attila Kunti Koko. Euro Esprit, big up à toi. Samuel Gogo Nyawa, big up à toi. Nous sommes à 74 personnes, 75 personnes. Ça fait 2 minutes que j'ai commencé. Et nous sommes à 80 personnes. Je vous ai dit, il faut atteindre 100 personnes pour que je puisse vous donner un compte rendu propre. Voilà. Un compte rendu propre. Donc, il faut partager, il faut mettre des cœurs. Vous êtes arrivé, vous ne mettez même pas de cœur. Ah, ça aussi, je dois vous dire ça. Quand on vient sur mes directs, on met cœur. Attends, moi-même, j'ai commencé à pomper les cœurs ici aussi. Voilà, quand on vient sur mon direct, on commence à pomper les cœurs. C'est ça qui maintient le direct en vie. Donc, voilà. Allez, 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 allez. Montez le mercure. Kai, Kai, ah oui. Big up à toi. Bonne arrivée à vous. On va pas attendre 5 minutes pour atteindre 100 personnes. C'est pas normal que ça dure comme ça. La notification n'est pas arrivée chez certains ou quoi. Il faut que vous puissiez partager à d'autres personnes. Partager dans vos groupes, dans vos WhatsApp, dans les inbox. Il faut le faire. Oro Esprit. Amen. Amen, amen, amen. Donc, il faut le faire, il faut le faire. Bonjour. Il faut le faire. Comme je vous ai dit, je suis Yossi. Vous êtes 89. Montez, il reste un peu. Atteignons les 100. Donc, il faut partager. N'attendez pas, il faut partager. Partagez, mettez des cœurs, continuez de mettre des cœurs. Ça fait monter le mercure.
vous continuez de mettre des cœurs et puis vous partagez en même temps. Voilà, d'une pierre deux coups. Partage et mettez des cœurs. Kwadio Junior Yao, big up à toi, Rose Yameogo, big up à toi depuis Ouagadougou. Je salue tous mes frères Burkinabé depuis leur position. Voilà, soyez tous salués là-bas. Il faut continuer. Pour le moment, c'est les salutations, mais il faut qu'on aille dans le vif du sujet. Mais pour aller dans le vif du sujet, comme je vous ai dit, atteignons les 100 personnes. On est 91. Continuez à pomper les cœurs. Vous voyez que ça monte. Ça monte au fur et à mesure. Moussa Diallo, big up à toi, Moussa Diallo. Jérôme Azuma, il dit quoi? Que Dieu vous aide à continuer votre chemin. Merci. Amen, amen. On dit amen, amen, amen. Voilà. C'est lent, c'est lent, c'est lent. 5 minutes. On est à 93, 94. Montez à 100. 100, c'est à côté là. Mais continuez les cœurs. Continuez les cœurs pour que nous atteignions les 100. Continuez les cœurs. Cœur là, c'est gratuit. C'est pas, on ne paye pas. Voilà, on ne paye pas. Nous sommes à 96. Continuez à partager. Continuez à pomper les cœurs. 98, et je crois on va atteindre les 100 maintenant. 102, voilà, on a atteint 102. Donc, voilà, 102. 102, vous avez atteint 102, c'est redescendu encore. Bon, comme il y a dit 100 et que vous avez atteint 102, je ne vais pas encore attendre que ça revienne encore à 100, puisque ça monte, ça descend, c'est une balance. Je ne sais pourquoi ça monte, ça descend. Bref, soyez salués, je suis le général Modibo Goïta, Djedje, Doboblé, Gbagbo, Sankara, Sékou Touré, Cheikh Anta Diop. Merci d'être connecté. Merci d'être connecté. Alors, voilà, oui. Yameogo, Rose Yameogo dit on espère qu'un jour Blaise Compaoré va être jugé à la CPI. Mais déjà même le tribunal de, comment on appelle, du Burkina Faso le réclamait. Et puis à travers Damiba, ils ont voulu le remettre dans le cœur des Burkinabés et ça a échoué. Voilà, les Burkinabés ont compris que on voulait les arnaquer, donc ils ont refusé. Ils ont refusé cette arnaque-là. Et je les salue pour ça. Donc finalement, Blaise Compaoré n'a pas été accepté au Burkina Faso. Il est retourné dans sa cachette. Donc, pour aller dans le vif de mon sujet, j'ai dit que j'allais faire le compte rendu du voyage, de notre voyage à la haie. Nous avons voulu, à un moment donné, que quelque chose soit fait par rapport à, aux criminels. Parce que le président Laurent Gbagbo, avant sa sortie officielle, avant qu'il n'ait officiellement lancé l'appel aux criminels, votre humble serviteur, Hervé Djedje, avait commencé les semaines avant la déclaration du président Laurent Gbagbo, avait commencé à demander à ce que les coupables des crimes contre l'humanité en Côte d'Ivoire répondent de leurs actes. Hervé Djedje a lancé l'appel et même des personnes, des personnalités l'ont appelé pour lui dire bravo, merci d'avoir pensé à ça, merci pour l'initiative, merci de vouloir aller demander les comptes à la CPI qui tarde à prendre, hein, Gina Arce, big up à toi, Ndré Akramatu, big up à toi, bonne arrivée à vous. La CPI qui traîne et qui tarde à appeler à la barre les responsables de tous ces morts qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Eux-mêmes, ils ont choisi le nombre de leurs morts, ils ont dit c'est 3000 morts. Parmi ces 3000 morts-là, à la CPI, ils ont présenté 180 morts au compte des forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire au compte du président Laurent Gbagbo. Ils ont demandé à ce que les preuves leur soient fournies par ceux, les accusateurs, par ceux qui ont décidé d'accuser le président Laurent Gbagbo des crimes contre l'humanité pour 180 personnes.
Ils ont amené 82 témoins. Ces 82 témoins-là n'ont rien pu présenter. Ils n'ont rien pu prouver. Ces 82 témoins sont venus pour certains. On demande le nom de leur village. Ils prennent un livre, ils prennent un cahier, une feuille ou un cahier. Ils commencent à chercher le nom de mon village, le nom de mon village, le nom de mon village, le nom de mon village. Ils cherchent le nom de son village dans un cahier. Il y a certains qui sont venus. Nous allons monter le mercure. Il y a certains qui sont venus, ils ont dit que le président Laurent Gbagbo qui est assis là, est-ce que le juge président peut leur permettre d'aller serrer la main du président Laurent Gbagbo? Il y en a qui sont venus, ils ont dit, le témoin même préféré de la CPI, c'était Mangou Philippe, le général Mangou Philippe. C'était l'homme sur qui on comptait pour abattre le président Laurent Gbagbo à la CPI. Parce que c'était lui le chef d'état-major. On s'est dit qu'il allait sortir tous les dossiers du président Laurent Gbagbo. Donc, quand Mangou Philippe arrive, grosse déception. Grosse déception, pas pour nous, pro-Gbagbo. Grosse déception pour le camp, Bensouda. Grosse déception pour le camp Alassane Draman Ouattara. Grosse déception pour le camp Nicolas Sarkozy. Grosse déception pour l'Union européenne. Qui a vu s'écrouler toute leur, comment on appelle, toute leur joie, qui a vu s'écrouler toute leur joie, pensant que le président Laurent Gbagbo allait être enfin décapité hein, par des preuves venant du général, du chef d'état-major Mangou Philippe. À leur grande surprise, le président Laurent Gbagbo n'a pas titubé à Kissi-Jeanne Madou. Le président Laurent Gbagbo n'a pas titubé, hein, Adjobi Bethany. Bien au contraire, tous ces témoins-là sont venus, y compris le plus excellent témoin qu'on attendait, c'est-à-dire Mangou Philippe. Ils sont venus décharger. Et Mangou Philippe a plus déçu, parce que quand il est venu, il parle de l'amour, la fraternité qu'il y a entre le président Laurent Gbagbo et le général Dogbo Blé. Il est venu pour plus s'interroger sur ce point-là. Il est venu pour plus critiquer hein, le lien trop proche du président Laurent Gbagbo et le général Dogbo Blé. La Cour pénale internationale, en tout cas les responsables de cette Cour pénale, sont tombés des nues. Parce qu'ils ne s'attendaient pas au truc comme ça. Alors, après tout ça, voici que le président Laurent Gbagbo est acquitté et on déclare qu'il n'a rien fait. C'est pas lui qui a tué les 180 personnes dont on l'accusait. Mais finalement, si c'est pas lui qui a tué les 180 personnes, pourtant on dit qu'il y a eu 3000 morts, donc dans les 3000 on a enlevé 180 pour Gbagbo, donc le reste on estime que c'est Alassane Draman Ouattara ou du moins l'autre camp qui a commis ces crimes. Maintenant, Laurent Gbagbo n'est pas criminel. Blé Goudé n'est pas criminel. Ils sont tous rentrés en Côte d'Ivoire. Il va qu'à leurs occupations, le président Laurent Gbagbo a remis son parti politique sur pied. Son parti politique a eu des députés à l'Assemblée nationale. Là, il est en train de concourir pour la mairie et bientôt pour les régionales aussi. Pareil, la mairie et les régionales. Les municipales et les régionales. Maintenant, on parle de ça, et puis, nous on s'est dit, mais attends, à un moment donné, c'est vrai, on est en train de concourir, on est en train de lutter pour prendre les mairies. Le nom du président Laurent Gbagbo a été retiré par Alassane Draman Ouattara, mais ça c'est pas un débat. On n'est pas dans ce débat-là, parce que ce débat-là, c'est fort clos. Pourquoi c'est fort clos? Parce que le président, à travers, comment on appelle, le président Laurent Gbagbo, à travers le porte-parole du PPACI, Kone Katina, le VP Kone Katina, et, comment on appelle, le secrétaire général d'Amana Picasse, c'est tellement clair que le président Laurent Gbagbo, son nom sera inscrit sur cette liste électorale. Vaille que vaille, quoi qu'il en soit, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, et le nom du président Laurent Gbagbo sera inscrit sur la liste électorale. Et ce n'est pas quelqu'un qui m'a envoyé pour que je dise ça. Pour que je dise ça dans mes vidéos précédentes.
Personne ne m'a donné une feuille de route à suivre. Et sur les réseaux sociaux, personne n'a envoyé son camarade. J'ai fait ce que j'ai à faire. Quand j'estime qu'il faut marcher, je marche. Quand j'estime qu'il faut réclamer, je réclame. Quand j'estime qu'il faut dénoncer, je dénonce. Quand j'estime qu'il faut rigoler, je rigole. Oui, oui, je rigole aussi. Je mets souvent des trucs pour rigoler sur ma page. Je suis un homme. Je suis fait de chair, je suis fait de sang et d'eau. Il y a des os aussi. Donc, je suis un être humain. Je suis pas un extraterrestre. J'ai fait ce que j'ai à faire. Vos reproches, je n'en ai cure. Vos reproches là, je n'en ai cure. Vos critiques, je n'en ai cure. Si ce sont des critiques constructives, il n'y a pas de souci. Mais si ce sont des critiques destructives, moi je m'en fous de ça. Je n'écoute pas ça. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Et puis, je voudrais dire que j'ai estimé, et comme je disais, qu'il fallait aller à la CPI. Il fallait retourner à la CPI. Il fallait relancer ce combat de la CPI. Parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Quand tu as mené des actes, quand tu as mené des combats, et que ces combats-là, par tes stratégies, ça a marché, il faut continuer ces combats-là. Il faut continuer ces combats-là. Il ne faut pas arrêter parce que ça a gagné. Le résultat final était un bon résultat. En parlant de combat, tu as gagné, je parle de quoi? Je parle des départs à la haie. Quand on prenait les cars pour aller à la haie, quand on prenait des voitures pour aller à la haie, d'autres prenaient des trains pour aller à la haie, il y a beaucoup de RDR, RHDP qui se moquaient de nous. Ils disaient qu'on partait pour se faire, hein, pour s'enceinter entre nous là-bas, pour sortir, pour avoir des nouveaux maris, pour avoir des nouvelles femmes. Ils ont commencé à critiquer notre départ à la haie. Ils ont dit, on partait là-bas, il y avait des préservatifs partout. Les gens nous insultaient. On se moquait de nous. On rigolait de nous. On nous traitait de tous les noms. On nous jetait à la vindicte populaire à chaque fois qu'on partait à la haie. Mais on a persisté. Nous étions déterminés. Nous avons réussi là où beaucoup ne nous attendaient pas. Ils nous ont traités de tous les noms, mais on n'a pas arrêté. Ils ont dit que c'était un combat perdu d'avance. On peut beau aller chanter à la haie, on peut beau aller danser à la haie, on peut beau aller crier. Mais à la haie où on partait danser, à la haie où on partait sortir entre nous, où on partait se marier, où on partait se fiancer et tout, à la haie où on partait chercher les femmes comme ils aimaient dire, ou les hommes pour d'autres femmes, à la haie où on se donnait rendez-vous pour d'autres. Le combat qui était perdu d'avance, qu'on ne pouvait pas réussir là. Ce combat-là, un bon matin, Choi s'est assis là. Et puis, Choi sort et il parle. Et Choi dit, mais Jacqueline Bailly, hein, la mère, soit saluée. Je suis en train de parler de mon compte rendu. Et tu me demandes, mais j'ai dit quoi de saoulé? Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent de saoulé? Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent de lui? Il a déjà dit beaucoup. Et comme tu dis, tu n'as pas encore vu ma vidéo. J'ai d'autres vidéos, la mère. Tu peux aller voir sur mon mur. Ma page est là, c'est Hervé Dédio officiel. Je ne supprime pas mes vidéos. Toutes mes vidéos sont là. Voilà. Donc, vraiment, je n'ai pas envie de rater ce que j'ai en train de dire. Mais sinon, s'agissant de lui, oui, il n'y a pas de souci. Il peut m'insulter. Moi, est-ce que moi, les injures, là, c'est pas aujourd'hui, j'encaisse. Tu me connais pour ça. Voilà. C'est pas aujourd'hui, j'encaisse les injures. Mais, je sais en donner aussi. Je sais insulter aussi. Voilà, je sais insulter. Ce que je suis en train de dire, tu vas voir. Je vais arriver là où, peut-être, tu m'attends. Sur les injures de saoulé, là. Je vais arriver. Mais, il faut me laisser développer jusqu'à là-bas. Il faut me laisser vraiment, suivre la direction de ce que je suis en train de faire. C'est pas été la mère que j'ai répondu. Voilà. Donc, vu que Alassane Draman Ouattara et que la CPI, ils n'ont pas pu prouver la culpabilité du président Laurent Gbagbo et qu'on l'a libéré jusqu'à il rentre en Côte d'Ivoire, moi je me dis que bon, à un moment donné, il faut qu'on réclame
Celui qui a tué, parce que les crimes là, les gens ont comme l'impression qu'il faut oublier ça. Les gens ont comme l'impression qu'il faut laisser tomber ça. Qu'il ne faut pas qu'on en parle. Qu'il faut même pas, c'est comme un sujet tabou. Mais il n'y a pas de sujet tabou, vous avez tué les gens, vous devez répondre de vos actes, de vos crimes. Il n'y a pas de sujet tabou. Quand Hervé Guéguet se lève et puis il dit, il faut qu'on aille à la CPI, retournons à la haie pour parler. Allons-y là-bas pour aller appeler ceux qui ont tué. Et dans ceux qui ont tué là, je cite des noms. Quand j'ai commencé à dire ça, quand j'ai dit d'aller réclamer à la CPI le tour du camp qui a vraiment tué, et que je cite des noms, j'ai dit Alassane Dramane Ouattara, j'ai dit Soro Kibafori Guillaume, et les autres comme zone. Mais les deux qui étaient au four et au moulin, surtout un parmi eux, qui s'appelle Soro Kibafori Guillaume, qui était très tout feu, tout flamme, très virulent sur les médias. Il était partout. Les gens étaient là en train de crier partout, Soro Kibafori Guillaume. Les caméras sont sur lui partout. Il était à la lumière du jour, à la lumière de la nuit. Même quand il fait nuit, tellement les projecteurs des caméras étaient sur lui. Même la nuit, il était visible dans la nuit noire. Soro Kibafori Guillaume. Il était très, c'est-à-dire, il était très zélé. Oui, c'était du zèle, l'excès des zèles. Soro Kibafori Guillaume. J'ai dit, comme c'est lui, étant très zélé, qui a donné son nom à un livre, qui dit que le livre là, lui, il est, voici pourquoi il est devenu rebelle. Jusqu'à il explique hein, pourquoi je suis devenu rebelle. C'est-à-dire, moi, j'ai regardé toutes les rébellions là. C'est l'un des rebelles qui a décidé de garder, comme on appelle, d'expliquer et de garder dans le temps son choix. Il sort un livre et il explique pourquoi il est devenu rebelle. Vous comprenez? Donc pour moi, comme Alassane Dramane Ouattara au pouvoir, et qu'il passe par tous les moyens, par toutes sortes d'acrobaties, toutes sortes d'acrobaties pour pouvoir éviter la justice, j'ai dit, bon, il avait son lieutenant, il avait son homme de main. Il avait l'homme qu'il envoyait partout. Il avait l'homme de mission qui s'appelait Soro Kibafori Guillaume, qui a servi sous Laurent Gbagbo en tant que premier ministre et sous Alassane Dramane Ouattara en tant que premier ministre, ministre de la Défense, président de l'Assemblée nationale. Donc, il est au cœur avant d'être ministre, premier ministre du président Laurent Gbagbo, il était le secrétaire général du MPCI, porte-parole de la rébellion du MPCI. Là-bas encore, il était le chef de la rébellion. Donc, quand tu as occupé tous ces postes, quand tu as été l'homme à tout faire, quand tu as été l'homme des projecteurs, c'est à toi qu'on doit demander. Et maintenant, quand toi on te demande, toi tu nous indiques qui t'a envoyé, tu nous indiques qui t'a poussé, tu nous indiques qui t'a donné de quoi faire. Voilà ma logique. Voilà ma thématique. Voilà comment moi, je comprends. Peut-être d'autres personnes ne comprennent pas comme moi, mais moi, Hervé Guéguet, voici comment je comprends. Ce qui m'incite, ce qui me pousse à dire, il faut qu'on aille à la haie. Quand je sors ça, les semaines après, deux semaines après, la fête de la Renaissance à Figaro, le président Laurent Gbagbo prononce un discours dans lequel il dit que les criminels doivent répondre maintenant. Je répète, les criminels doivent répondre maintenant. Je répète pour une troisième fois, les criminels doivent répondre maintenant. Puisque lui, il est libre, puisque lui, il a été acquitté, et que ce n'est pas lui qui a commis ces crimes, qui a commis ces crimes. On prend les dires du président Laurent Gbagbo au rebond. Et on dit, il faut qu'on aille à la haie. Il faut qu'on aille parce qu'en France, bientôt, c'est les vacances. Nous sommes en plein même dans les vacances comme ça. Les gens sont en train de voyager. D'autres vont à Abidjan, ils vont aller faire leur belle vie là-bas. Nous, on est ici. Pour ne pas que les gens partent à Abidjan et qu'on reporte. Allons-y donc à la haie.
Trouvons l'occasion d'aller à la haie. J'ai appelé certains camarades pour qu'on aille à la haie. J'ai appelé le représentant Abdou Bayeto, pour lui expliquer que je vais aller à la haie. Il a dit, s'il vient sur Paris, c'était avant la formation, là, avant la formation. Il a dit, s'il vient sur Paris, on va en parler. Il a dit, s'il vient sur Paris, on va en parler. Il est venu sur Paris, on n'en a pas parlé. On n'a pas parlé. On n'a pas parlé, et moi, j'avais déjà prévu faire mon investiture en tant que secrétaire général du PPACI dans le 93, de la section PPACI du 93. Je voulais faire mon investiture avec l'investiture de mon bureau. On a tout fait pour ne pas que l'investiture-là ait lieu. Ça n'a pas eu lieu. On dit de parler en interne. Donc, je ne suis pas revenu dessus. Je ne vous ai pas vraiment expliqué ce qui s'est passé. Mais tant de tantamas, trop de choses ont fait que mon investiture, là, on dirait que c'était, il y avait problème. On m'a demandé de reporter. Jusqu'à aujourd'hui, la salle que moi et ma section et moi, on a prise, cette salle-là, on l'a perdue avec l'argent qui va avec. Presque 500 euros. L'argent est resté comme ça. On avait fini de payer la salle. On nous a demandé de reporter. Bref, c'est pas de ça que je suis venu parler. Mais pour vous dire que j'essaie d'aller dans la logique. Et moi, j'ai toujours dit que notre parti, qu'on était FPI, et qu'il y avait des manifs organisés par d'autres associations ou mouvements politiques ou partis politiques, je disais toujours à mon parti politique d'aller, de se mettre devant. Parce que mon parti politique est le puissant parti. J'estime toujours, et je sais, et les autres savent, que mon parti politique est le parti le plus puissant. Soyons devant, et puis les autres vont nous suivre. Ne restons pas derrière pour accompagner. Toujours j'ai dit ça. Donc quand je propose qu'on aille à la haie, là, où est-ce qui est méchant dedans? Pourquoi on ne prend pas le temps d'organiser ça, nous, PPACI? Mais on est en train de combattre les gens qui sont dans le PPACI, qui veulent travailler. C'est eux qu'on combat, on combat. C'est eux là qu'on met les bâtons dans les roues. On met les bâtons dans les roues parce qu'on veut pas. Non, c'est lui qui a pensé ça. Non, c'était moi qui devais penser ça. C'est lui qui est l'initiateur. Si c'est lui, ils vont le voir, tout le monde. Ah, déjà, il est populaire sur les réseaux sociaux. Il va venir encore donner, une initiative. Ça là encore, c'est plus grand encore. Nous-mêmes, on va plus nous voir. Voici leur problème, hein. Voici leur problème. Pourquoi c'est toi qui es l'initiateur? Pourquoi c'est toi qui veux qu'on fasse? Pourquoi nous, on pense pas à ça tout de suite et puis c'est toi qui as pensé à ça? Pourquoi c'est toi qui veux qu'on te suive dans ça? Pourquoi c'est toi qui es devant? Pourquoi c'est toi qui veux être devant? Pourquoi c'est toi qu'on doit voir? On te voit assez déjà sur les réseaux. Tu es déjà connu. Donc, faut nous laisser, nous aussi, une petite place. Mais mon frère, tu veux une petite place? Faut te battre. Mène le combat de la vérité. Mène le combat de la justice. Fais ce que tu as à faire. Comme j'aime à le dire. Je fais ce que j'ai à faire. Fais ce que tu as à faire. C'est un peu que tu as envoyé. C'est un peu qu'elle a envoyé. C'est un peu que lui l'a envoyé. C'est un peu que nous on a envoyé. C'est un peu là. C'est ça qui fait grand. C'est pas moi un peu là qui fait grand. Hein. C'est un peu de chacun là. C'est ça, quand c'est ensemble, c'est ça qui fait grand. Mais tant que tu as dit c'est lui là, c'est lui on va voir, c'est lui on va entendre, c'est lui on va dire que c'est lui qui a fait, c'est lui on va dire que c'est lui qui était là, c'est lui on va dire que c'est lui qui a réfléchi à ça, c'est lui on va dire là. Mon frère, tu es en train de te tuer, tu es en train de te fatiguer toi seul. Sinon moi, je ne te calcule même pas. J'en parle parce que ça fait mal. Tu peux pas dire qu'il y avait des gens. Tu peux pas sourire avec des gens. Tu peux pas rigoler avec des gens. Vous ne pouvez pas être toujours en train de vous saluer, vous embrasser. Et puis, derrière toi, on t'écrase. On te pilonne. Et ça vient pas d'ailleurs.
Les missiles ne sortent pas d'ailleurs. Les missiles viennent de ton propre camp. Ça ne vient pas d'ailleurs. Ton vrai sorcier, là, ils sont à côté de toi. Ils sont autour de toi. Ils ne sont pas ailleurs. Ton vrai, celui qui va te faire tomber, qui va te tuer, là, il n'est pas loin, il est avec toi. Non, j'ai dit quoi? J'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quoi? J'ai fait quoi de méchant? Allez réclamer Soro Kibaforidium à la CPI, là, c'est méchant. Réclamer Alassane Dramane Ouattara à la CPI, là, c'est mauvais. C'est pour ça que quelqu'un va s'asseoir pour faire vidéo pour moi, parler de moi. Mais tu peux parler de moi, il n'y a pas de souci. Moi, je suis habitué, je suis vacciné. J'ai dit, vidéo là, je suis champion aussi. Oui, j'ai dit aussi parce qu'il y en a qui sont champions. Mais vidéo politique là, je fais partie des champions. Si nos gens qui nous suivent, qui disent qu'ils viennent nous écouter là, s'ils n'étaient pas nostalgiques des nouveautés, il y a longtemps, nous, on allait faire 100 000 vues. Et 100 millions de vues, pardon. 100, on allait faire millions de vues. Je répète. Si ceux qui disent qu'ils sont partisans, ils aiment Gbagbo, ils sont avec Gbagbo, si eux-là ne passaient pas leur temps à aller regarder les autres, ne passaient pas leur temps à aller féliciter les autres, ne passaient pas leur temps à aller être amoureux de ce que disent les autres, et qu'ils venaient suivre les vrais cours, la vraie politique qu'on fait, parce que ce n'est pas des gens qui disent politique de Facebook, ce n'est pas politique de Facebook, moi je fais. Hein. Je ne fais pas politique de Facebook, hein. J'ai étudié la politique. J'ai fait école pour faire politique. J'ai mis mon ayant de gardiennage là-dedans. Pour faire politique. Vous comprenez? J'ai mis mon agent de gardiennage dedans pour faire politique. Du cas directeur d'école là-même, là, il m'a félicité. Il prend mon exemple pour parler quand les nouveaux arrivent. Quand il y a des nouveaux étudiants à l'école politique africaine, il leur dit, il y a un qui s'appelait Hervé Guigui, qui est sur Facebook, qui fait ses analyses sur Facebook. Je vous ai dit, la troisième année, je n'ai pas pu, parce que c'était un peu cher pour moi. Je devais me spécialiser en leadership politique. Et leadership politique, la somme était un peu élevée pour moi. Je n'ai pas pu. Ils ont dit qu'ils allaient même me faire un rabais et tout par rapport à la publicité de l'école politique que j'ai fait souvent sur les réseaux sociaux. Mais même avec le rabais, je n'ai pas pu payer mes cours. C'est pour cela que j'ai raté 2 années. J'ai fait 2 ans. Normalement, le tout finissait dans 3 ans. Moi, j'ai fait 2 ans. Troisième année, là, je devais me spécialiser parce que la troisième année, ils ont dit de se spécialiser. Et c'est le directeur même qui m'a dit de me spécialiser en leadership politique parce qu'il me suit sur les réseaux sociaux. Il regarde comment j'avance sur les réseaux sociaux. Donc, il m'a dit ce qui serait bien pour moi, ce n'est pas de faire diplomatie internationale, ce n'est pas de faire les autres choses. C'est faire leadership politique, de me spécialiser en ça. Donc, j'ai pas pu me spécialiser en ça par rapport aux finances. Vous comprenez? Donc, quand je viens parler sur les réseaux sociaux, écoutez les autres, hein, et je ne critique pas les autres, chacun à sa manière. Parce que nous tous, on a commencé comme ça. Vous comprenez? Mais je veux dire, faites attention, ne nous mélangez pas. Je sais où je pars. Je sais ce que je dis. Je sais de quoi je parle. Je sais les sujets que j'évoque. À des périodes où il faut que j'évoque, là, j'ai choisi ces périodes-là, puis j'évoque. On est nombreux. Toi, tu parles de inscrire le nom du président Laurent Gbagbo. Tu vois pas que après, c'est vrai que après ça va devenir comme on appelle ça même. Ça devient ennuyeux. Ça devient ennuyeux. Quand il revient toujours, c'est comme les certains chrétiens. C'est une parenthèse, j'ouvre et puis je vais la fermer. Certains chrétiens viennent. Vous êtes 400 personnes, il faut mettre des cœurs, monter le mercure. Certaines personnes, certains chrétiens, quand ils, à un moment donné, c'était les SMS qu'ils écrivaient. Jésus t'aime, matin là, tu attends, tant. Si tu ne partages pas à 5 personnes ou à 10 personnes, tu auras le malheur au manchet. J'ai dit, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on évangélise quelqu'un. On n'évangélise pas sous la menace. On n'évangélise pas sous la menace, comme les djihadistes qui vont découper des têtes parce qu'ils veulent que tu sois d'après eux, hein, et que tu viennes prier Allah comme eux, tu sois islamique. Et comme tu ne veux pas, ils viennent couper ta tête. Il ne faut pas forcer les gens. Et ça, ce ne sont pas des musulmans même. Parce que le vrai musulman, normalement, il ne doit pas faire ça. Donc, eux-là, ce ne sont pas des musulmans.
Donc les chrétiens qui passent leur temps à dire Jésus t'aime, si tu ne suis pas Jésus, ou bien si tu ne partages pas ça à 15 personnes, tu auras le malheur. Tu, toi, tu m'emmènes une malédiction. Moi-même, j'ai très retenu malédiction. C'est une manière de me forcer la main. Les choses se font avec spiritualité. Tu es chrétien. Tu veux que quelqu'un suive ta religion chrétienne. Il faut prier pour la personne. Il faut lui amener les versets bibliques. Il faut toi-même expliquer les versets bibliques pour que la personne comprenne, il comprenne comment faire pour adhérer à ta vision de Dieu. Comment tu comprends ta compréhension de Dieu là? Comment faire pour que lui aussi comprenne ou elle aussi comprenne et te suive? C'est comme ça qu'il faut faire. Faut pas forcer la main. Sinon, si tu forces la main, mais la personne va venir pas à bon cœur. La personne va venir avec un cœur chargé. C'est-à-dire, la personne n'est pas libre d'elle-même. Elle vient parce que si elle vient prier dimanche, tu vas lui donner à manger. Elle vient parce que si elle vient prier dimanche, il aura une femme, la copine qu'il aime là, sera toujours là le dimanche. Donc, pour voir sa copine, il faut venir à l'église dimanche. Si tu veux marier une femme musulmane, on dit il faut te convertir à l'islam. Et ça, Abidjan savait prier, hein, toute la Côte d'Ivoire, tout le monde savait ça. Mais on ne peut pas te contraindre à rentrer dans une religion parce que tu aimes une femme. Il faut que toi-même, la femme qui se montre pieuse, la femme qui te montre un comportement décent, propre, t'attire vers cette religion-là pour dire, cette religion sort des femmes, des personnes de qualité comme ma femme, celle que j'aime, je vais adhérer à sa religion. C'est ça, c'est comme ça que ça se passe en fait. Donc tu veux, comment on appelle, que les gens luttent pour le président Laurent Gbagbo pour que son nom soit inscrit sur la liste électorale. Il faut arrêter de forcer les gens. On ne force pas quelqu'un. On ne force pas quelqu'un. Le jour que le secrétaire général du PPACI, Damana Adia Picasse, le jour que le VP Kone Katina, quand ils ont dit, ah, le nom du président Laurent Gbagbo, ça sera inscrit. Restez à l'écoute. Donc moi, je suis à l'écoute. Ça ne sert à rien de venir répéter dans ma vidéo, mettez le nom de Gbagbo. Si vous ne mettez pas le nom de Gbagbo, là, ça là, vous allez voir. Et puis ça a changé quoi. Ouattara va t'écouter là. Et puis, c'est lui qui va dire, il va dire comme Hervé Guiquet répète ça tous les jours dans sa vidéo. Donc je vais réinscrire le nom du président Laurent Gbagbo. Non, non, non. Faites la politique avec intelligence, pas avec émotion, pas avec bavardage inutile. Venez pas vous asseoir sur Facebook pour rencontrer votre maître. Vous n'êtes pas instruit que quelqu'un. Vous n'êtes pas chose visionnaire que quelqu'un. Voilà. Nous, on sait de quoi on parle. Et on sait quand il faut parler de tel sujet ou de tel sujet. J'écoute mon parti. Mon parti a dit d'attendre le mot d'ordre du parti. Et que le nom du président Laurent Gbagbo, ça sera inscrit. De gré ou de force. Ils vont inscrire ça. Mais on va suivre. Ils ont dit, hein, c'est gré ou de force, ça c'est moi qui dis ça. Mais eux, le parti dit que on va utiliser, voici ce qu'ils disent, on va utiliser toutes les voies légales. On va utiliser toutes les voies légales pour pouvoir faire inscrire le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Donc, leurs voies légales, toutes les voies légales que mon parti veut utiliser là, j'attends ce que le porte-parole va dire. Le jour qu'il va donner la voie légale à suivre, s'il dit tempêter sur les réseaux sociaux, je vais compléter ce que je faisais avant. S'ils disent on va sortir dans les rues, on va sortir dans les rues. Vous allez sortir à Bigan, nous on va sortir en France ici. Oui, on attend juste ça. C'est pour cela que Tina Topo, président de la Ligue des femmes, PPACI France, Tina Topo a dit que les femmes restaient à l'écoute. C'est qu'elle a écouté sa direction. Les femmes restaient à l'écoute. Quand le moment sera venu, quand le mot d'ordre va arriver, je vais vous faire appel dans les rues. Donc vous, militants du PPACI, vous, membres de ma section, du Awa Don Melo du 93 Centre, je vous ai dit restez à l'écoute. Quand le mot d'ordre va sortir, je vais vous appeler dans les rues. Voilà ce que je demande. Voilà ce que je fais. Donc, en entendant ça, là, j'ai pas passé mon temps à dire, écrivez le nom de Gbagbo ici, la liste électorale. Écrivez le nom de Gbagbo. Et puis, même, comment on appelle?
Les candidats là, PPACI là, pour l'élection municipale et pour l'élection régionale là, ils ont leur directeur de campagne. Ils ont leur directeur de campagne. Ils ont leur chargé de communication. Je ne suis pas chargé de communication de ces candidats du PPACI. Je ne suis pas leur chargé de communication. Si j'ai envie de parler de ça, je vais parler de ça. Personne ne me paye pour ça. Le jour que j'ai envie de parler d'un candidat, je vais parler d'un candidat. Et puis, ça ne va pas quelque part. Vous comprenez? Voilà. Donc, moi, c'est comme ça que je marche. Ma démarche, là, elle te plaît pas. J'écoute les conseils. Mais on ne se fout pas de ma gueule. Voilà, j'écoute les conseils, je respecte. Mais il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. Il faut arrêter. Vous voulez forcément trouver parce que les gens sont là, oui. Hervé Guigui, en tout cas, il est resté le même jusqu'à aujourd'hui. Donc vous cherchez des poux dans mes cheveux. Vous cherchez à me coller quelque chose, forcément. Le sujet du direct, j'ai dit, je vais, vous parler un peu. J'ai fait un compte rendu de notre voyage à la haie. Donc, je reviens sur le compte rendu. Donc, je suis parti, comme je disais, parce que je devais aller réclamer les vrais coupables. J'ai essayé de voir autour de moi, personne n'était prêt. J'ai vu Ben Nieba, le représentant PPACI de la haie. Il s'appelle Ben Nieba. Quand on partait là-bas, c'est lui qui prenait, souvent, les autorisations pour nous. Donc, j'ai vu Ben Nieba, je lui ai expliqué que je veux venir à la haie pour réclamer à la Alassane Dramane Ouattara, Soroki Bafori Diop. Il m'a dit, le jour que tu es prêt, appelle-moi, je vais prendre l'autorisation. Maintenant, comme je vois un peu de réticence dans mon parti, pour cette initiative, parce que ça vient de moi. J'ai entendu que il y a Keivao Martin qui partait. Keivao Martin, par rapport aux injures qu'il y a eu sur mon ami Adja Nadi Bamba, par rapport aux attaques, et même mon ami qui est mon avocate aussi, Maître Abiba Touré. Je suis allé voir Maître Abiba Touré et puis on a discuté. Elle m'a montré tous les dossiers, ouais, parce que je ne comprenais pas trop. Elle m'a montré et elle m'a expliqué des choses aussi par rapport au blocage, à plein de petites choses comme ça dans le dossier. Elle m'a expliqué tout ça. Vous comprenez? Et j'étais sorti, j'ai fait une vidéo pour dire à Keïu Vao de travailler en symbiose avec Maître Abiba Touré. Ils ont voulu que Maître Abiba Touré ne soit pas là, dans le dossier finalement. Pourtant, elle avait déjà commencé le travail. Donc, après ce dossier-là, je ne l'ai plus vu. J'étais plus ami même, on n'était pas amis avant, donc Facebook même, on était amis peut-être Facebook, mais après, j'avais coupé tous les ponts avec Keivao Martin. Et puis, j'ai appelé Kone Gbagbo. Il lui a dit, organisons le truc, on va partir. Puis il m'a dit, mais il y a un groupe, on dit Keivao Martin, il y a un groupe qui sont en train de faire, ils s'apprêtent à partir. Donc pourquoi ne pas faire avec eux, puis toi tu veux qu'on fasse pour nous à part. J'ai dit non, parce que, Martin Keivao, avec l'histoire du dossier, ouais, j'avais déjà parlé de ça. Voilà, j'avais déjà donné mon avis dessus par rapport à elle. Donc ça fait que je sais pas si elle va accepter qu'on vienne ensemble, mais je vais voir. Il dit faut appeler Roger. Donc je connais Roger. Donc j'appelle Roger. Roger a sa carte PPACI qui m'a montré. Donc il a adhéré au parti du président Laurent Gbagbo. Roger Sono a sa carte PPACI. Il me l'a montré. Donc Roger Sono, quand je l'ai appelé, j'ai dit c'est vous qui organisez. Il dit oui. Il dit mais on fait comment? Moi je veux partir aussi. Mais comme par le passé, il y a eu trop de trucs, les gens ont commencé à m'attaquer,
Maëliba, tu as tué Maëliba, c'est notre soeur, ouais. Et aujourd'hui, on va pour le dossier, ouais. Moi, ce dossier-là, je vais en parler aussi. Mais surtout, moi, j'y vais, et Roger est encore là, surtout, moi, j'y vais aussi pour réclamer ceux qui ont tué nos parents, Alassane Draman Ouattara et Soro Kibafori Diop. Roger a dit, mais c'est le même combat. C'est la même chose. Puisque nous, on s'en a demandé que les ceux qui ont tué les Ouais répondent. Et toi, tu viens demander que ceux qui ont tué les Ivoiriens répondent. Donc, c'est le même combat. On s'en va pour la même chose. Il n'y a pas de souci. Donc, je voudrais répéter à ceux qui prennent mon nom pour venir sur Facebook pour parler là, pour faire leur vidéo là. Si vous ne savez pas demander, vous avez mon contact. Vous pouvez m'appeler. Pourquoi vous ne m'appelez pas? Vous pouvez m'appeler pour me demander. Mais comme vous ne voulez pas le faire, vous voulez passer par Facebook, il n'y a pas de souci. Mais je dis juste que je n'ai pas accompagné quelqu'un. Ah, il a accompagné Keïva Oumati. Je n'ai pas accompagné Keïva Oumati. J'ai payé mon ticket. C'était 40 euros. J'ai payé les 40 euros. J'ai payé les 40 euros. Et les personnes que j'ai pu envoyer pour qu'on parte ensemble, ils ont payé chacun, elles ont payé chacun, pardon, leurs 40 euros, 40 euros, 40 euros. Et puis on est parti. On est parti tous ensemble à la CPI pour réclamer. Elle a fait son discours. Quand elle a fait son discours là, on s'est pas tu. Si on l'avait accompagnée, elle, après son discours, personne n'allait parler. Mais comme on ne l'a pas accompagné, qu'on est parti tous ensemble pour que nos combats se retrouvent, on est parti ensemble. Et arrivé là-bas, elle a parlé, elle-même elle a tracé le truc, elle va parler. Moi, ceux qui, en tout cas nous qui sommes venus, on va parler. Chacun dira ce qu'il a dit. Et puis on est parti. Elle a parlé, j'ai filmé. Je vois les RDR, RHDP qui disent, vous étiez 10, vous étiez 7, vous étiez 15, vous étiez 10, vous étiez 15, vous étiez 20. Mais c'est vous qui voyez. Moi, j'ai dit, même si on est 5, on prend une voiture, une seule voiture, 5 personnes dedans, allons, parce que je connais ma puissance de frappe. 5 personnes, si on arrive sur les lieux-là, quand j'ai ouvert ma caméra, là, c'est 100 personnes, 100 000 personnes qui vont voir. La vidéo de la LA, actuellement, nous sommes à 111 000 personnes. 111 000 personnes. Vous comprenez? 111 000 vues. Ceux qui ont vu là, 111 000. C'est-à-dire si, et on ne compte pas ceux qui ont regardé avec leurs amis, leurs femmes, leurs parents, leurs fils. On ne les compte pas. On compte celui qui a ouvert son téléphone. 100 000 personnes, 111 000 et quelques. En un jour. Un jour, 111 000 personnes qui ont vu la vidéo. Ça y est là, ça y est sur mon mur. Pour ceux qui ne savent pas. Ça y est sur mon mur, vous pouvez aller vérifier. Si vous pensez que je mens ou bien, je vous montre ça. Comme ça, vous allez voir. 111 000 personnes. Je ne sais pas si c'est visible même à partir d'ici. Est-ce que c'est visible? 111 000 personnes, oui. Non, ce n'est pas visible. À partir d'ici, ce n'est pas visible. Il y a 1900 partages. 111 000 personnes, il y a 1900 partages. Regardez, parce que je ne peux pas voir les trucs, je peux voir partage là. Regardez en bas. 1900 partages. C'est 1900. Oh, quand c'est penché, on ne voit pas. Bon, je vais vous montrer. Ne sais pas pourquoi je vais montrer tout ça là même. Mais bon, allons-y. Comme on a parlé, regardez. Ça fait combien? Les likes, 2800. Les commentaires, 1416. Les partages, 1900. 1911 partages. Voilà, c'est de ça qu'on parle. Et on dit, je suis allé donner de la visibilité à Keïva Oumati. Ce n'est pas à Keïva Oumati que je suis allé donner de la visibilité. Je suis allé donner de la visibilité au discours tenu par Hervé Guigué, par Keïva Oumati, par Gbagbo Kone. Gbagbo Kone lui-même, il a de la visibilité aussi. Donc tu t'imagines deux activistes pro-Gbagbo, PPACI,
sont allés et ces communicants-là ont sorti l'information. Moi, j'ai eu 100 000 vues en moins d'un jour. Mais lui, déjà, en quelques heures, il avait déjà les 100 000 vues. Oui, donc c'est parti. L'information est partie. Le travail a été fait. Ceux qui se moquent du fait qu'on n'était pas en nombre, tout ça là, ils savent pas de quoi ils se moquent parce que on n'était pas en nombre sur place, mais nos caméras ont fait le travail. Quand elle était partie la première fois qu'elle va au Martin, elle était partie un petit groupe. Aujourd'hui, elle est partie avec un autre groupe plus important avec nous. Demain, elle va partir avec un autre groupe encore plus important. Si le PPACI veut organiser, je suis partant, les amis. Même si c'est pas, c'est moi. Moi, j'ai parlé de ça. Maintenant, si vous voulez même, ne mettez pas mon, ne dites pas, c'est Hervé Guégué qui a pensé à ça. Mais venez organiser, on va partir. PPACI. Organisons parce que le président Laurent Gbagbo, là, il va pas quitter Abidjan pour venir nous dire, ou bien d'Abidjan, il va pas dire, allez-y marcher pour moi, là, ce pays, pour réclamer Alassane Dramane Ouattara. Le président Laurent Gbagbo va pas aller là-bas pour dire ça. Quand il dit que les criminels doivent répondre, c'est à nous de comprendre le message, les non-dits du président, et d'aller à la CPI. Mais ceux qui sont ici aussi, ils attendent que ça soit le président ou Abidjan, le secrétaire d'Abidjan, le secrétaire général du PPACI, Damana Pika, qui doit les appeler pour dire oui, allez-y à telle manifestation, oui, allez-y à telle chose. Il faut arrêter. Prenez des initiatives. C'est pour le parti, c'est pas contre le parti. Est-ce qu'aller réclamer Alassane Dramane Ouattara et Soro Kibafori Diom à la CPI là, c'est contre le parti? Est-ce que c'est contre, ça va à l'encontre des dispositions du parti? Pour que quelqu'un du parti puisse m'attaquer, ou m'insulter, ou me traiter de tous les noms, ou dire que j'ai fait une erreur. J'ai dit, allons, et on est parti. On a marqué le coup. C'est parti partout. Et le président, on a des informations que le président Laurent Gbagbo a eu la vidéo. Et il est content. Donc le président Laurent Gbagbo n'a pas de problème. Il n'est pas là pour dire oui, comme c'est, il est parti avec Keïva Oumartine, machin. C'est pas ça le problème. Je vois même elle aussi dans son camp, hein, elle a attaqué là-bas. Dans son groupe aussi, elle a attaqué. On dit, ah, elle a vendu à Hervé Guégué. Il y a une travelo là qui est en train de dire des choses. Si Hervé Guégué, matin, elle s'est levée, elle attaque Keïva Oumartine et elle dit qu'elle parle de vente du combat de Keïva Oumartine à Nadi Bamba, à Adja. Mais ce n'est pas la hauteur d'esprit qu'on a, on a pris pour pouvoir aller à ce qu'on appelle à la haie. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas parce que Keïva Oumartine et moi, on ne se parlait pas. Mais on s'est parlé parce que l'objectif visé est noble. On ne se parlait pas. Mais on s'est parlé parce que l'objectif visé est noble. Je répète, on ne se parlait pas. On s'est parlé parce que l'objectif visé est noble. Oui, Maître Abiba Touré est mon ami. Et pour toute, comment on appelle, apparition judiciaire, ça sera Maître Abiba Touré, mon avocate. Oui, je suis ami à Adja, Nadi Bamba. Je suis son ami. Son bon ami, son ami chéri même. Oui, je suis son bon ami même. Et elle, pour ce but-là, elle va jamais se fâcher contre moi. Même Maître Abiba Touré, qui a le dossier, ouais, qui a eu des embrouilles avec Keïva Oumartine. Elle ne va pas se fâcher contre moi parce que moi, je suis parti pour dire qu'il fallait que justice soit rendue pour les ouais. Je suis pas allé arracher dossier de ouais à quelqu'un. Je suis pas allé donner dossier de ouais à un autre avocat ou choisir les personnes qui vont suivre le dossier. J'ai dit, il faut que ceux qui ont tué les ouais, ceux qui ont tué les Bété, ceux qui ont tué les Guéré, ceux qui ont tué les Yacouba, ceux qui ont tué les Atiers, ceux qui ont tué les Baoulé, ceux qui ont tué les Koulango, les Senoufo, ceux qui ont tué les Koyara, ceux qui ont tué les Odieneka, ceux qui ont tué les Ébriers, ceux qui ont éventré les Koulango et les, comment on appelle, les Dida,
J'attends qu'ils viennent répondre. Et ce n'est pas pour moi qu'ils viennent répondre. C'est toute la Côte d'Ivoire qui attend la vérité. Toute l'Afrique attend la vérité. Le monde entier attend la vérité. L'affaire de Djokoué, c'était parti en Europe. Ils ont fait des documentaires, même les Européens eux-mêmes, pour les journalistes indépendants. Ils ont pris ces documentaires pour faire des documentaires dessus. Ça avait commencé à faire grand bruit parce qu'ils ont pris le crime, le génocide ouais, pour venir parler de ça. Les crimes à Djokoué, ils ont parlé de ça dans le documentaire. Ça avait fait de grand bruit. Ils ont cherché à faire taire les journalistes là, en leur donnant l'argent. Parce que ce dossier-là embrouille Alassane Dramane Ouattara. Même les Blancs, là, ils connaissent Djokoué. À cause de ce qui s'est passé, l'atrocité qu'il y a eu à Djokoué. Ils connaissent désormais le nom de cette ville-là, Djokoué. Donc si d'autres sont en train de nous aider, appuyons dessus. Tapons dessus. Parce que c'est ça qui va faire couler Alassane Dramane Ouattara. Le dossier où est là, ça va faire couler Alassane Dramane Ouattara. Vous comprenez? Parce que ça a été un génocide. Ça a été un génocide de ouais. Ça a été un génocide de vrai. Donc on ne peut pas me reprocher d'avoir décidé d'aller à la CPI pour réclamer Soro Kibafori Diom et Alassane Dramane Ouattara. Des gens qui disent qu'ils soutiennent Gbagbo Laurent, qui disent que Bec et Ong sont prêts à se tuer, même se sacrifier pour Gbagbo Laurent, osent dire que oui, comment on appelle, sous les départs, si tu dois t'attaquer à quelqu'un, faut t'attaquer à Hervé Guégué. Faut pas t'attaquer au président Laurent Gbagbo. Mais qu'est-ce que Hervé Guégué a dit? Et puis, sous le départ, il va l'attaquer. Hervé Guégué dit, il faut que Soro Kibafori Diom vienne répondre. Et toi, tu dis que c'est pas à Soro, on doit demander les comptes. Comme les Soroïstes. Et que c'est à, comment ils appellent? Alassane Dramane Ouattara, qu'on doit demander les comptes. Mais Alassane Dramane Ouattara, là, il a toujours nié la rébellion. Il a toujours nié la rébellion. Et pendant que les rebelles nous tuaient, nous, on était sur le terrain. Ce qui s'est passé là, la personne qui était au-dessus, on voyait, c'est-à-dire, on voyait l'image de Dramane Ouattara derrière, mais la personne directe qui avait comment on appelle, qui décidait directement, s'appelle Soro Kibafori Diom. Soro Kibafori Diom. C'est lui qu'on connaissait. Quand ils ont commencé entre eux, les rebelles, à s'entretuer là, c'était qui encore? Soro Kibafori Diom, qui était à la tête. Entre les rebelles eux-mêmes. Donc, le nom de Soro a tellement sonné dans la tête des Ivoirois et des Ivoiriennes qu'on veut que lui aussi y parte. La fille d'Ibrahim Koulibaly, parlons-en. On dit, elle a porté plainte en France. Voilà ce que dit l'avocat de la fille d'Ibrahim Koulibaly. Parce que eux, ils étaient là en train de dire, je mets quiconque au défi de montrer que Soro Kibafori Diom, il y a une plainte contre lui. Voilà dans les journaux. C'est écrit ici. Voilà le journal. Attendez, il est placé comme ça, vous allez voir le journal là encore. Voilà. C'est eux, ils ont fini de mettre tout le monde au défi, on ne sait plus. Voilà comment c'est écrit. L'avocat de la fille d'IB fait un grand déballage. La procédure est en cours auprès de la CPI. Vous voyez, ce n'est plus en France seulement. Hein. C'est en cours auprès de la CPI. Plainte contre Soro en France. Ils ont mis plainte contre Soro en France. Mais regardez, l'avocat dit, la procédure est en cours auprès de la CPI. La procédure est en cours auprès de la CPI. Et que la fille d'Ibé dit, mon problème, c'est de savoir qui a donné les ordres. Vous avez compris. Vous n'allez pas me dire qu'elle ne sait pas qui est Alassane Dramane Ouattara. Mais elle, son problème, elle dit, son problème là, c'est de savoir qui a donné les ordres, qui a exécuté ces ordres-là et comment cela s'est fait. Comment ils ont tué son papa. Voilà. Voilà ça. Je vous ai montré, non? Vous avez vu? Voilà, on revient à moi maintenant. Ibrahim Koulibaly était un chef rebelle. Voilà sa fille. Dans la période où nous, on a commencé à réveiller le dossier de qui a tué qui, en Côte d'Ivoire, là. La fille d'Ibrahim Koulibaly a actionné son avocat. Lui aussi est sorti dans cette même période. Mais vous ne voyez pas l'intérêt politique, l'enjeu géopolitique. Vous ne comprenez pas. C'est vrai que nous tous, on ne fait pas politique pour certains, mais moi, j'ai fait. Vous ne comprenez pas l'enjeu de commencer à taper maintenant sur le point
de cette affaire des rebelles là. Parce que pour que le nom du président Laurent Gbagbo soit écrit là, si soit enlevé sur la liste électorale, si Alassane Dramane Ouattara a eu le courage d'enlever le nom du président Laurent Gbagbo, c'est justement parce qu'on l'a oublié à la CPI. Parce qu'on ne demande plus. On ne demande plus les vrais coupables. C'est pour cela qu'il croit tout permis. C'est pour cela qu'il a l'audace, j'insiste dessus, l'audace d'enlever le nom du président Laurent Gbagbo sur une liste électorale. Mais quand on va commencer à actionner, réactionner la CPI, commencer à aller tempêter là-bas comme on sait le faire, comme on sait le faire, qu'on va recommencer, ça va attirer l'attention. Karim Khan sera obligé, Karim Khan, là, il sera obligé d'appeler à la barre Alassane Dramane Ouattara ou, au plus facile encore, Soro Kibafori Diom. Donc, est-ce que ce qu'il fait là, c'est mauvais? Vous pensez que moi, je suis là pour vos histoires de personnes, là? Vous pensez que je suis là pour ça? Topo Léontine, président de la Ligue des Femmes de France, à cause de l'appellation président de la Ligue des Femmes, là, il y en a qui sont là en train de parler. Parce que vous avez des problèmes avec Topo Léontine. Mais on parle pas de... Quand Topo Léontine organise l'anniversaire du président Laurent Gbagbo, elle n'organise pas son anniversaire. Elle dit, on va rendre hommage, on va profiter de ça pour mobiliser et puis rendre hommage à un grand homme comme Laurent Gbagbo. Ça là, où est le problème dedans? Où est le problème dans ça là? Mais il y a des gens qui vont s'asseoir là. Oui, non. Parce qu'ils sont, on ne les calcule plus même dans le parti là, on ne les regarde pas. Donc pour se faire entendre là, il faut venir dire non, pourquoi elle a fait ça? Pourquoi on l'appelle même présidente? Et il n'y a pas ligue en France, ligue des champions. Il n'y a pas ligue en France, ligue là même, ça fait quoi? Tant qu'elle peut l'appeler président de la ligue et puis elle mobilise là, où est le problème dedans? Où est le problème? Hervé Guégué est parti à la CPI, on dit non, il a accompagné qu'il va où? J'ai pas accompagné qu'il va où? J'ai payé mon transport. Je suis allé pour réclamer Soro Kibafori Diom, Alassane Dramane Ouattara à la CPI. Comme ça, prochainement, là, ils vont pas s'asseoir pour dire qu'ils vont enlever le nom de Gbagbo Laurent sur la liste électorale. Ils vont savoir qu'on les a à l'œil. Ils vont savoir qu'on ne les a pas oubliés. Ils vont savoir que le dossier est encore pendant. Il y a encore des victimes qui réclament justice. C'est de ça que je parle. Ça, là, où est ce qui est mauvais dedans? Puis quelqu'un va s'asseoir, se réveiller sur moi pour venir parler. Hervé Guégué, il a fait ça. Hervé Guégué, il a fait ceci. Il faut arrêter, hein. Voilà, il faut arrêter. Moi, je suis pas là pour... Il n'y a pas de compte à te rendre. Là, j'ai fait... Je vous ai expliqué le voyage à la haie. C'est le pourquoi et le comment. Et ça va continuer. Qu'il va organiser en octobre. Si le PPSCI n'a pas encore pris ça en main, là, moi, j'irai en octobre avec qu'il va encore. Et je suis là tranquille. Voilà. C'est la personne qui dit... Que non, je vais même pas aller là-bas même. Je vais pas aller dans ça parce que si tu parles de ça, ils vont dire non, tu n'as pas fait. Et tu, comment on appelle, et on t'a rien dit et puis tu es parti nous étaler là-bas. Donc, je vais rien vous dire pour le moment. Mais sachez que je suis très serein. Ma sérénité là, vous pouvez même pas voir jusqu'à quel niveau je suis serein. Et mon amitié là. Si ça aussi, c'est ça qui vous rend jaloux. Ou jalouse. Ça, c'est vos problèmes. C'est vos problèmes. Vous avez cru que quoi? C'est vos problèmes. Mon ami chéri, Adja, gros bisous là-bas. Et tu sais que je t'aime de tout mon cœur. Faut pas y rendre ma femme jalouse. Sinon, je t'aime de tout mon cœur. Toi, tu sais ça. Voilà. Maître Abiba Touré, comme j'ai dit, c'est mon quelqu'un. C'est comme ça qu'il l'appelle, c'est mon quelqu'un. Voilà, Maître Abiba Touré, là, c'est mon quelqu'un. Donc, ce que j'ai fait, l'acte que j'ai posé, c'est un acte patriotique. Et je vais poser cet acte-là jusqu'à ce qu'Alassane Dramane Ouattara et Soro Kibafori Diom aillent répondre. Je vais le faire jusqu'à ce que ça peut me coûter. Ce que ça peut me coûter. C'est mon argent que j'ai enlevé dans ma poche pour le faire. Jacques Gou, mon beau est venu comme il a dit, faut pas y provoquer ma femme. Donc lui, il est venu maintenant pour dire, ah, ton beau est là, donc si tu continues comme ça à apprécier, hein, à mettre tout ton cœur, c'est Nadi Bamba,
Adja, il va te répondre. Je salue Zali Coco là-bas. Je lui fais un gros bisou à Zali Coco. Je fais un bisou à ta femme. Hein, je fais un bisou à ma belle mémé. Voilà, soyez tous salués. Claudine Amine Kodian, merci pour le soutien. Oui? Non, il faut que les gens là, on leur parle. Ils ne comprennent pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Ce que j'ai fait là, c'est mauvais. J'enrôle les gens, ils disent que je n'enrôle pas. Ils disent que oui, il ne faut pas y penser que c'est moi qui enrôle plus. Mais qu'est-ce que je vous ai dit même? Faut pas y penser que c'est moi qui enrôle. C'est pas moi. Faut pas y penser que c'est moi qui fais adhérer les gens dans le PPACI. Faut pas. Est-ce que je suis le seul? Mais est-ce que vous avez dit que je suis le seul? Parce que juste un militant m'a félicité. Un militant est venu me féliciter pour dire ah, Hervé Guégué, en tout cas la majorité des militants enrôlés qui adhèrent, c'est Hervé Guégué. Et que il est le premier parmi tous ceux qui font adhérer les gens au PPACI. Ça là, c'est devenu discours palabre. Qui t'a dit, Hervé Guégué? Qui a dit que Hervé Guégué, c'est lui qui fait? Est-ce que tu connais pour les autres? Est-ce que tu vois pour les autres? Et, mais lui, il a dit pour lui, toi aussi, dis pour toi. Hein, Gina Arce, dis, mais non, mais fais ta vidéo, ne t'inquiète pas. Dans la politesse, voilà, là, je n'insulte personne. Voilà, on fait comme ça. Voilà, on parle. Donc, ils ont commencé à dire oui. Mais toi, fais comment on appelle, fais ta la cour de celui qui t'a fait enrôler. Là, lui, il s'agit de Michel Gondo. Je l'ai fait enrôler. Je l'ai fait enrôler. Il a rempli sa fiche d'adhésion au PPACI. J'ai parlé avec lui. Il a rempli sa fiche du PPACI. Et il m'a félicité. Ça, là encore, là, c'est devenu problème pour lui. Pourquoi lui il dit que c'est Hervé Guégué qui est le numéro 1? Mais toi aussi choisis celui qui t'a fait enrôler pour dire c'est lui le numéro 1. Choisis. Si tu veux, on essaie. En une semaine, on essaie 5 personnes. 5 personnes, je ne demande pas plus. 5 personnes en une semaine, on essaye. Il va te battre. Il va même faire 20. Et puis ça va te surprendre. Il va faire enrôler 20 au PPACI. Et ce n'est pas moi qui vais les forcer. Hein. C'est un engagement qu'ils vont prendre. Ils vont payer. C'est pas moi qui vais prendre mes combien d'euros pour aller payer. J'ai pas l'argent, moi. Je suis agent de sécurité. Là, je suis venu au travail. Je suis agent de sécurité. Voilà. Voilà mon cahier. Main courante. Je suis au travail comme ça. Je vous parle là. Je suis au travail. C'est mon travail fait comme ça. Vous comprenez? Ça, là, ça va devenir péché pour moi. Péché de lèse-majesté. Parce qu'un jeune homme reconnaît les valeurs. Il reconnaît mes compétences. Ça, là, ça devient un problème pour lui. Ils l'ont harcelé, hein, dans les écrits jusqu'à... Pourquoi? Et ce sont les gens du parti, c'est pas, ils ne sont pas quittés ailleurs. Les gens qui disent qu'ils sont PPACI, là, ce sont eux, hein, dans notre parti, là. Ce sont eux qui vont venir attaquer. Mais vous pensez que si moralement, moi, j'étais fragile, il y a longtemps, j'ai quitté PPACI. Si j'étais fragile moralement, si moi j'étais pas un dur, parce que c'est pas ici dur là, ils m'ont pas quoi atteint. Hein. Sinon quelqu'un qui subit ce que je subis là, il y a longtemps il a quitté le parti. Je vous le dis, il y a longtemps il est parti même. Il y a longtemps il est parti. Ils ont tout fait pour ne pas qu'il fasse mon investiture. Il n'a pas fait investiture là. Vous avez vu? Pourtant je vous avais parlé de mon investiture. Mais ils ont créé toutes sortes d'embrouilles, des problèmes, tourné comme je dois faire venir Awadom Melo. Eux, ils n'ont qu'à, il faut que ce soit eux d'abord qui doivent le faire venir avant moi. Ils ont tourné jusqu'à, ils ont trouvé, non, faut reporter, comme il va venir pour nous, faut reporter. Ils ont tout fait. C'est resté comme ça. J'ai voulu ne plus faire même investiture. Les membres de mon parti ont dit, faut faire. On n'a qu'à faire ça à la rentrée. Vous comprenez? Non, moi j'ai dit c'est bon, investiture, on dit c'est fait. J'ai été déjà élu, donc si je ne fais pas investiture là, ça change quoi? Je suis déjà élu. Donc si je ne fais pas investiture là, ça change quoi? Donc j'ai failli laisser comme ça même, à cause de leur embrouille là. Mais les gens ont dit non, il ne faut pas laisser. Mes militants, comme ce sont eux que j'écoute, j'ai dit il n'y a pas de souci. On va faire ça à la rentrée. Donc l'investiture, on va faire ça à la rentrée. Sinon, si je voulais les écouter, moi j'allais arrêter, j'allais laisser tomber même. Il a laissé tomber. Donc, cher ami, je suis allé à la haie pour une énième fois. Je suis allé à la haie pour réclamer Soro Kibafori Guillaume, celui qui se tapait la poitrine
que ça leur fasse mal, les soroïs. Certains soroïs. Parce que j'enlève toujours le Doumbouya Zouzou Soro. Je l'enlève toujours parce qu'il est carrément différent de tous. C'est pour ça qu'on dit c'est pas le venir parler aligné des adjectifs. C'est pas venir parler français pour dire qu'on comprend trop français. C'est pas ça qui fait l'homme. Un homme, il est digne quand il sait comment il pose ses actes, comment il marche. Et Doumbouya Zouzou, malgré ce français lapidaire qu'il a là, mais il est très cohérent avec son esprit. Et comme il dit qu'il est imam, je suppose que les fidèles de sa mosquée là ont des vrais prêches. Ça doit être des fidèles que Dieu assiste tous les jours, que Dieu bénisse tous les jours. Parce que le jeune homme, bon, je ne sais pas quel âge il a, mais il est vraiment cohérent avec son esprit. Et il s'est demandé pardon quand il a péché. C'est ça. C'est ça, un homme de Dieu. Vous comprenez? Donc, je ne parle pas de lui. Mais je parle de ceux qui disent qu'il ne faut pas, on va prononcer le nom de Soro dans notre bouche même. On n'a qu'à oublier les meurtres qu'il a eu, les assassinats qu'il a eu. On n'a qu'à oublier ça. Il ne faut pas qu'on remue le couteau dans la plaie. On n'a qu'à se mettre ensemble. C'est de ceux-là que je parle. C'est de ceux-là que je parle. Soro est un criminel. Agamemnon. Doumbouya Zouzou même là, j'ai pris toujours Dieu, il n'a qu'à venir au PPACI. Il n'a qu'à venir au PPACI, il n'y a pas sa place au GPS là-bas chez les Soro là. C'est pas, ça va pas avec ses valeurs, parce que c'est un homme de valeur. Doumbouya Zouzou Soro, c'est un homme de valeur. Mais son choix de Soro, peut-être qu'il est de sa famille ou bien il connaît un peu, et voilà, peut-être qu'il y a un truc, un lien qui les rapproche. Mais sinon, en réalité, ce jeune homme-là n'a pas... On doit l'enlever carrément du côté de Soro. Parce que tu sens que c'est un homme de valeur. Mais pourquoi il se retrouve avec un rebelle endurci comme Soro? Je ne sais pas. Nina, Yvette Nyakba, sois salué. Gros bisous là-bas. Donc, c'est seulement... Alassane Dramane n'a qu'à lui répondre maintenant. Et je voudrais dire au RDA qui prend des noms Prince Abbas, qui dit repose en paix, Capitaine Dosso là. Capitaine Dosso, tu vois, on a entendu ton témoignage à la CPI jusqu'à quand tu n'es pas venu. Donc, Laurent Gbagbo a quitté. Il n'a commis aucun crime. Il n'a commis aucun crime. La Zombrotte. Big up à toi, sois salué. La Zombotte, tu vois, les gens que vous appelez maman, ils écrivent, il y a une travelo qui s'est permise d'aller écrire un post sur moi encore. C'est comme ça, père à son âme, Maëliba l'appelait, la travelo. Elle a emmené Maëliba jusqu'à... Même Maëliba n'est plus de ce monde, elle continue de l'attaquer. Elle continue de l'attaquer. Et comme ça ne la suffit pas, c'est Hervé Diguier qu'elle veut attaquer. Mais moi, je n'écris pas. Toi, tu écris tout le temps. Moi, je n'écris pas. Moi, je fais des vidéos. Voilà. Moi, je n'écris pas, je fais vidéos. Et quand toi, tu écris tes posts là, c'est les... Hein, posts même qui a mis, ça faisait 3 heures. C'est 2 personnes seulement qui ont liké. Ah, je ne dis pas son nom ici, Zombrotte. Je ne dis pas son nom. Elle va se reconnaître. Maëliba l'avait surnommé La Travelo. Donc elle va se rappeler que c'est d'elle que je parle. Elle écrit tout le temps les posts. Elle allait écrire que Keiva Oumatin a vendu le combat des Ouais, hein, le dossier Ouais à, comment on appelle, à chose, Nadi Bamba. Parce que elle est partie avec moi à la haie. Donc elle, voici sa raison. Voici sa raison. Donc moi j'ai dit que cette Travelo là, ou ce travelo, je ne sais pas. Cette personne, en tout cas, la personne là écrit et insulte très mal les gens. Écrit et insulte. Toute sa carrière, depuis qu'elle est sur les réseaux sociaux, c'est d'insulter et parler mal. Elle, en tout cas, elle écrit et parle mal. Mais elle écrit. Et s'il y a trop, là, ça fait 3 heures.
Il n'y a que deux personnes qui ont liké. Peut-être, comme ça fait quelques minutes, je n'ai pas regardé. Peut-être qu'il y a trois personnes qui ont liké. Le seul commentaire, c'est qu'il va où qui allait commenter. Donc, je ne sais pas s'il y a un deuxième commentaire. Or, si moi, je lui réponds en vidéo, c'est au moins 20 000 personnes. C'est-à-dire, s'il n'y a rien, 20 000 personnes qui vont voir ce qu'il y a d'ici et là. Donc, tu vois, je ne vais pas lui donner de la visibilité. Quand c'est comme ça, on dit qu'il ne faut pas donner visibilité. Donc, laisse tomber. Mais le petit mot qu'il a dit là, elle va se reconnaître et puis peut-être elle va me répondre encore dessus. Mais moi, je n'ai pas dit son nom ici. Voilà, elle a écrit mon nom là-bas, mais moi, je n'ai pas dit son nom dans ma vidéo. Je ne vais même pas lui donner même une seule personne pour aller liker encore ses commentaires à la con. Donc, pour dire en conclusion, que je vais toujours réclamer Soro Kibafouri Guillaume. Et lui, c'est à lui de nous dire qui l'a envoyé. Si c'est Alassane Dramane Ouattara, il va dire son nom. Mais moi, je suis en plein droit de réclamer Soro Kibafouri Guillaume à la barre. Que ça te plaise ou pas. Que Soro, le Soula de Paris, là, soit ton petit frère, ça, c'est toi qui vois. Moi, Hervé Didier, j'ai dit pour moi. Et eux, là, c'est pas à cause de moi qu'ils insultent Gbagbo Laurent. C'est parce qu'ils ont eu l'habitude d'insulter Gbagbo Laurent. Et puis, à un moment donné, ils ont changé de costume pour attirer encore, pour vous attirer, pour que vous venez dire mon frère, hein, mon petit frère, mon petit frère, mon petit frère, là. C'est parce que c'est la même chose. Hein. C'est parce que moi, je défends le président Laurent Gbagbo. C'est parce qu'ils veulent que vous oubliez. C'est parce qu'ils veulent que vous oubliez. Vous oubliez le crime que Soro Kibafouri Guillaume a commis. Là. C'est parce qu'ils veulent que vous oubliez ça. C'est pour ça qu'ils disent Gbagbo est le meilleur. Gbagbo est bon. Même quand le PPAC fait quelque chose, ils viennent prendre ça, ils prennent la vidéo, ils mettent ça sur leur mur, et puis ils commencent ça en bien. Et vous pensez que ils sont dans votre combat? Vous pensez vraiment qu'ils sont dans votre combat? Non. Ils font la courbette. Quand ça les arrange, quand ils voient que ça chie sur eux, ils commencent à insulter Gbagbo Laurent encore. Voilà leur travail. Donc, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Laissez-moi dire ce que j'ai à dire. Si vous ne voulez pas parler, laissez-moi dire ce que j'ai à dire sur Soro. Et je vais continuer à dire. S'il veut, il n'a qu'à m'insulter. Il fait sa vidéo, il m'insulte. Je vois, hein. Ne pensez pas qu'il ne voit pas. Je n'écoute pas longtemps. Du coup, j'ai des amis même qui prennent un bout de la vidéo et puis ils envoient ça dans mon WhatsApp. Il n'y a pas de souci. Quand ils envoient dans mon WhatsApp, je clique pour écouter. Et je vois qu'il m'insulte, il m'insulte, il m'insulte. Il dit même que il continue d'accuser le président Laurent Gbagbo d'avoir tué Camara H. Et vous, lui là, il est votre petit frère. Et vous, pour distraire les autres, vous venez dire oui, petit frère. Non, la partie où tu dis que, Camara H a été tué, hein, ma chère là, faut laisser cette partie là. Non, tu connais pas. Faut avouer que, tu parles de quoi? Tu veux l'argent du beurre et le beurre en même temps, ou bien, qu'est-ce que tu veux? Ou bien la vache là-même, tu veux pas maintenant aussi. Il faut arrêter. Il faut arrêter. La personne qui n'est pas cohérente, c'est pas moi. Moi, je suis resté cohérent. Et rien n'a sali mon combat. Je regrette rien. Si ça refait demain, je vais refaire. La preuve en est, en octobre, là, comme Keiva Omatine organise encore, j'irai. J'irai, parce que le combat que je mène là, c'est noble. J'irai. Je vais pas à cause de Keiva Omatine. Mais je vais là-bas. Et elle, je lui dois respect. Voilà, je lui dois respect. Elle n'a qu'à insulter. Elle avait insulté. Ça, c'est toi qui vois. Voilà, c'est toi qui vois. Parce que mon ami chéri, que j'aime de tout mon cœur, Nadi Adja, n'est pas impactée par ces injures. Elle n'est pas du tout impactée. Elle n'est pas du tout impactée. Elle vit sa vie avec son amour. Avec son amoureux. Le président a divorcé, c'est fini. Elle est seule avec son mari maintenant. Oui, merci la Zombrotte. Et puis, un bisou à notre filleule, hein, notre fille. C'est une fille, hein, j'espère, faut pas y dire, il va dire autre chose ici. C'est une fille, hein, que tu as mise au monde. Je lui fais un gros bisou là-bas. Voilà. Donc, vous voyez, on est allé pour ce même combat-là. Et puis, voilà, Olivier Blé, on va en profiter, comme sa femme est là.
La Zombrotte est là. Olivier Blé. Olivier Blé, à un moment, il avait attaqué le président Laurent Gbagbo. Il avait attaqué un moment. Mais il est revenu et il a compris que son papa est encore là. Il tient encore la barre et il est revenu. Il est revenu. Il est revenu et comme il avait insulté le président Laurent Gbagbo, moi, il avait dit, il avait dit non, 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 je ne veux plus d'Olivier Blé qui est revenu. Pourtant, moi-même, j'ai lancé l'appel pour que tous ceux qui, par le passé, s'étaient mis avec nous pour qu'on combatte sur les réseaux pour le président Laurent Gbagbo et pour son, comment on appelle, pour la Côte d'Ivoire, on se remette ensemble, on se retrouve. Si tu as raté le chemin, reviens. J'avais lancé cet appel. Donc, quand j'ai vu leur retour, lui et sa femme, ils étaient très contents. Ça veut dire, en réalité, ils n'étaient pas partis du tout. Ils n'étaient pas partis. Ils n'étaient pas du tout partis. C'est ce que ça veut dire. Juste ça. C'est ce que ça veut dire. Donc, on est là, on est ensemble. Il les avait appelés même. J'avais dit, il fallait qu'on s'appelle. Parce que j'ai pas leur contact. J'avais dit, il fallait qu'on s'appelle pour aller à la haie ensemble. J'espère qu'en octobre, on va partir ensemble. En octobre. Ça va pas me déranger. C'est pour aller réclamer. Et ça là, ça va marcher. Ça va marcher parce qu'on va reprendre le chemin de la haie. Et Alassane Dramane Ouattara et Soro Kibafori Diop, ils vont venir répondre. Et c'est Soro qui va nous dire qui l'a envoyé, qui l'a poussé à tuer les Ivoiriens, qui l'a poussé, qui l'avait nommé pour être ministre de Défense ou bien secrétaire général du PPACI là. Il va, secrétaire général du MPCI là. Il va venir répondre. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je suis là, tranquille. On va continuer le combat. Ce n'est qu'un pas. Moi, je suis prêt. Et personne, sauf le président Laurent Gbagbo. Voilà, quand il dit personne, sauf le président Laurent Gbagbo, tu vas me dire, faut pas aller. Faut pas aller. Tant qu'il ne me dit pas ça, là, j'ai dit sauf lui. Hein. Sinon, le reste, là, sauf lui. Je respecte tout le monde. Je respecte l'hierarchie. Mais sauf Gbagbo Laurent, le président Laurent Gbagbo. C'est lui seul. Et puis, Adja, ma maman, ma chérie, mon cœur, il y a les tueurs, quoi. Ils vont prendre la petite partie là pour aller faire les vidéos. Non, non, c'est l'amour de mon père. Et c'est ma mère. Tu vois. Mais c'est mon ami. C'est mon ami. Je lui fais un gros bisou là-bas. Et puis, voilà, quand elle est quittée à Bruxelles, elle est rentrée. Elle m'a dit, ah, on est rentré, j'avais laissé mon téléphone à Abidjan. Elle m'a dit, on se parle. Ça fait mal que oui, vous vous parlez. Et moi, on ne m'a jamais appelé. Mais est-ce que moi, c'est moi de ma faute si on ne t'a pas appelé? Si elle ne t'appelle pas, c'est de ma faute. Moi, je ne casse pas du sucre dans le dos de quelqu'un. Je n'ai jamais dit à une personne que je connais, il ne faut pas parler à telle personne. Non, c'est à toi, c'est de voir. Et je ne peux pas le dire, je ne peux pas le faire parce que c'est pas mes prérogatives. Je ne peux pas le faire. Donc, dit, ouais, il parle avec elle, c'est vous qui vous parlez, elle t'appelle toujours. Et puis, moi, elle ne m'a jamais appelé là. Ça, c'est toi qui vois. Voilà. Sinon, moi, elle me parle. Quand ils sont quittés à Bruxelles, ils sont rentrés. Elle m'a dit qu'elle avait laissé son téléphone là-bas parce que je lui avais écrit. Voilà. Donc, voilà. Je vais vous dire merci de m'avoir soutenu, d'avoir soutenu surtout le combat. C'est pas moi, Hervé Djedjé. Voilà, c'est pas moi. C'est pas ma personne que vous voyez. Vous voyez surtout le combat que je mène. Vous voyez surtout ce que je fais. Et ce que je fais là vous donne la force de me soutenir en priant pour moi, en me poussant à faire mieux, à faire mieux, à faire mieux. On dit, ce n'est pas être premier qui est important, c'est se maintenir premier. Ce n'est pas être premier qui est important, c'est se maintenir premier. Donc, quand un jeune docteur, Michel Gondo, il est docteur, il allait à l'école jusqu'à, il est docteur, Michel Gondo, que je salue ici, quand il dit que Hervé Djedjé est l'un des premiers qui mobilise au niveau des enrôlements, en tout cas, vraiment, je le salue. Donc, moi, j'ai intérêt à rester premier, parce qu'on m'a mis en haut. Je n'ai pas intérêt à me mettre en bas. Quand on te met en haut, demande à la personne qui t'a mis en haut. Oui. Ouais, bonjour. Okay. La personne qui t'a mis, demande à la personne qui t'a mis en haut que tu peux maintenir le cap. Tu peux rester là où la personne t'a mis et que la personne s'est pas trompée et que la personne n'a pas fait l'erreur de te mettre en haut.
C'est pour ça que je me bats toujours. C'est comme une pression, mais une pression noble, une pression d'un combat qui doit être gagné. On a obligation des résultats. Est-ce que vous comprenez? Nous avons obligation des résultats. C'est ce que j'ai mis dans ma tête. Obligation des résultats. C'est pour ça que je me définis désormais comme quelqu'un qui, que la fatigue ne peut jamais arrêter, mais c'est la faim qui va m'arrêter. C'est la faim qui va m'arrêter. La faim, F-I-N, hein, pas la faim, A-I-M. La faim, F-I-N. C'est ça seulement qui va m'arrêter. Voilà. Sinon, la fatigue ne peut pas m'arrêter. J'ai travaillé, on est rentré vers les 1 h du matin. On est allé à la haie, on est rentré à 1 h du matin. Et à 9 h, je suis au travail. Donc, à quelle heure j'ai dormi, pas eu le temps de me laver, le temps de regarder. Tout ça, c'est. Je suis venu au travail après. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu continue de vous donner la force pour que vous aussi, vous me transférez une petite partie de la force que Dieu vous donne. La protection que Dieu vous donne, que Dieu continue de vous donner ça pour que vous continuez à me transférer une petite partie de cette force-là pour que je n'arrête pas. Et qu'il me donne longue vie et la santé. Parce que sans la santé, il ne peut pas continuer. Je serai forcément éliminé. Sans la longévité, je ne peux pas continuer. On ne me verra plus, on n'entendra plus parler de moi, on parlera de moi au passé. Donc, priez pour moi. Priez pour moi pour que je tienne bon. Malgré les tumultes de nos proches même, dans notre propre camp, priez pour moi pour que je tienne, que ça ne m'amène pas au découragement. Parce que c'est pour notre camp là qui peut m'avoir, hein, peut-être. Notre camp, notre propre camp là, c'est ça peut-être qui peut m'avoir, parce que ils sont trop méchants, ils sont trop méchants. Ils sont là là, ils sont méchants, ils sont méchants, ils sont trop méchants. Je vous le dis, je peux même pas. Je vous le dis avec beaucoup de. Ils sont trop méchants. Passe tout le temps à salir parce que c'est pas eux et que c'est toi. Mais c'est pas de ma faute. Quand j'ai commencé en 2013, là, tu n'étais pas là pour m'aider. Tu venais pas faire comme moi. J'ai lancé l'appel depuis dans mes vidéos. Venez, on va faire des vidéos ensemble. Vous avez dit non. Aujourd'hui, ça vous énerve que j'ai un public, que je suis un peu connu. Ça vous énerve. Donc, quand je prends des initiatives, pourquoi lui encore, encore, lui encore? J'ai entendu même quelqu'un, quand ils ont dit Hervé Tchigui dans une salle, la personne était assise, deuxième rangée derrière moi, et la personne dit, ouais, c'est lui encore. Parce qu'ils ont dit mon nom. J'étais le nom de la personne, mais je connais très bien la personne, et je connais son nom. La personne a dit, ah, nous tous on est là, c'est lui encore. J'ai entendu. Vous voyez? Mais c'est dans notre camp, c'est pas ailleurs. C'est bon, j'ai trop parlé. C'est bon, que Dieu nous bénisse. Bon week-end à vous. On se tient au courant. Ciao, ciao, ciao. Bon, avant de finir, mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Je vois si vous êtes encore là. Mettez des cœurs. Et je voudrais encore particulièrement remercier avant de finir. Média et Burne, Média et Burne, hein? Média et Burne, merci à vous. Merci d'avoir partagé ma photo que j'ai mise ce matin. Ah, on peut faire comme ça. On peut être populaire comme ça. Média et Burne. Vous êtes populaire, hein? Moi-même, j'ai mis ma propre photo là. J'ai 200 et quelques likes. Et mais vous avez mis ma photo là. Vous êtes à 400, presque 500 likes là-bas. Aïe! Vous pouvez être populaire comme ça. En tout cas, merci à vous. Merci. C'était gentil. Il y a un autre, il s'appelle Sila. Lui aussi, il a partagé ma photo. Il s'appelle Seydou Sila. Je voudrais lui dire merci. Il a partagé. C'est rare que les gens partagent une photo, hein, mais c'est parce que cette photo est significative. C'est pas la personne même. C'est la signifi, le, comment on appelle? La signification de la photo. C'est ce que ça ressort pour le combat. Qui pousse les gens à partager. Donc, je vous dis merci. Merci vraiment. Allez, ciao. Maintenant, ciao vraiment. Ciao. J'ai même pas envie de vous laisser. Je vous aime tellement. Ciao, ciao, ciao.